وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. C'est pour ça Allah tabaraka wa ta'ala il dit فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Tu as fini, lève-toi, ne t'assieds pas. D'un acte à un acte, d'un acte à un acte. Service des parents, travail, adoration, lecture du Coran, prière, apprentissage de la science, d'un acte à un autre. Taïb, si on dit oui, mais comment je peux pas être tout le temps comme ça? Je me repose pas, je prends pas l'air, je mange pas. Non, si te reposer, faire une distraction permise en islam, c'est pour te renforcer, pour passer à un autre acte, ça rentre aussi dans cet acte. C'est comme si tu faisais un acte. Mais le repos et la distraction, ce n'est qu'une étape pour te renforcer pour l'adoration, pour te renforcer pour les actes. Ce n'est pas un but en soi. Aujourd'hui, la distraction et le repos, c'est l'objectif. Les adorations et les obligations, elles viennent à la place des distractions. C'est le contraire. Alors que normalement, quand tu finis un acte, lève-toi pour un nouvel acte. Wa ila rabbika farghab. Et aspire à ton Seigneur. C'est quoi? C'est-à-dire, attends la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces actes que tu fais, aspire en cela à la récompense d'Allah. À voir son visage, subhanahu wa ta'ala. À gagner ta satisfaction, subhanahu wa ta'ala. Tous ces actes que tu fais, n'oublie pas cette récompense énorme qui est le paradis éternel, qui est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est de voir son visage subhanahu wa ta'ala, et de faire partie de ceux qu'Allah ta'ala a agréé, de faire partie de ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah tabaraka wa ta'ala va leur dire qu'il est satisfait d'eux aujourd'hui. Il va leur dire, je suis satisfait de vous aujourd'hui, je ne me fâcherai plus jamais contre vous. T'imagines, tu entends cette parole? وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.